Je nous ai trouvé un petit exercice super sympa. Il est hyper simple, par contre, il n'est pas si évident que ça. À jouer bien, on va avoir à se servir simplement que d'une seule case. On démarre avec le petit doigt sur la cinquième case, première corde. On va faire quatre attaques avec le médiator en aller-retour. Bas, haut, bas, haut. Ensuite, on va rester sur la même case, mais par contre, ça va être l'annulaire. 1, 2, 3, 4. On reste sur la cinquième case et c'est le majeur. Et enfin, l'index. La main, elle va se déplacer légèrement comme ça, de manière verticale, un petit peu en biais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On ne doit pas entendre le changement de doigt. On remonte la main. Un petit peu plus vite. On va maintenant augmenter un petit peu la difficulté avec deux attaques de médiator par doigt. Alors des fois vous entendez légèrement un petit slide et vous voulez pas entendre de pause. Celui-là c'est mon préféré, on a une seule attaque de médiator par doigt. Celui-là, c'est le plus balèze, vous n'allez faire qu'une seule attaque. Ça veut dire que vous allez faire petit doigt et directement annulaire, directement majeur, directement index. Avec le numéro des doigts, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Un exercice donc à pratiquer sans modération. C'est simple, c'est efficace, c'est sympa. Je vous invite également à regarder mon autre vidéo sur un exercice un petit peu dans le même style, un exercice un petit peu fou et amusant à faire, celui de l'araignée, mais façon roue guitare. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.